rentrée de la tech. Une journée entière d'émissions sur les enjeux de l'écosystème tech post-Covid en présence d'acteurs phares de la French Tech. Et pour commencer, le nerf de la guerre, le financement. Comment les investisseurs vivent-ils cette crise? L'argent va-t-il continuer de couler à flot sur les startups françaises? Est-ce le bon moment pour lever des fonds? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir quatre invités. Marie Breyer, partenaire chez Serena. Stéphanie Hospitald, fondatrice et CEO du fonds One Ragtime. Clotilde Kilikini, directrice entreprise en Ile-de-France de BNP Paribas. Et Paul-François Fournier, le directeur exécutif de l'innovation chez BPI France. Bonjour à tous les quatre, bonjour. Merci d'être présent avec nous ce matin. Bonjour. Je vais commencer par vous, Paul-François Fournier. On vous demande de réagir sur un chiffre, 2,7 milliards d'euros. C'est le montant levé par les startups françaises au premier semestre. Alors, est-ce une bonne nouvelle dans le sens où ça se maintient par rapport à 2019, où il y avait 2,8 milliards d'euros au premier semestre, donc il n'y a pas d'effondrement à cause de la crise? Ou alors, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on était habitué à une croissance de 40% tous les ans au premier semestre, et là, on a donc la première baisse dans l'histoire de la French Tech. Qu'en pensez-vous? Comment va le capital risque français aujourd'hui? Écoutez, moi, je prends ce chiffre de façon très positive. D'abord parce que quand on se compare, et ça fait un peu partie du jeu dans cette compétition avec nos voisins, on voit qu'on a plus progressé, ou en tout cas qu'on s'est stabilisé là où l'Allemagne est en baisse importante et où l'Angleterre est en légère baisse. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et puis je crois qu'il faut aussi comparer les chiffres au global, c'est-à-dire qu'effectivement on est à peu près au même chiffre que l'année dernière, mais il ne faut pas oublier qu'au premier semestre, on a collectivement, en particulier avec nos amis banquiers, injecté massivement de la dette, probablement plusieurs milliards, qui ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres, mais qui montrent aussi, j'allais dire, la puissance de feu de l'écosystème français. Et donc voilà, je crois qu'on a aujourd'hui un écosystème qui a montré qu'il était résilient, qui se prépare à profiter de la reprise pour continuer sa croissance. Et donc nous, on est extrêmement positif et j'allais dire convaincu que la dynamique qui s'est enclenchée, elle va se retrouver dès l'année prochaine avec des taux de croissance qu'on avait l'habitude de voir dans les 3-4 dernières années. Comment vous expliquez la résilience justement de l'écosystème en plus des PGE et autres mécanismes de soutien généraux aux entreprises? D'abord, je crois que la résilience de cet écosystème, il est lié à des entrepreneurs qui ont formidablement réagi. Il est lié à des investisseurs qui ont formidablement réagi. Il est lié à des banquiers qui ont formidablement réagi. Il est lié à la puissance publique qui a formidablement réagi et à des acteurs régionaux et d'accompagnement qui ont formidablement réagi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au fond, un écosystème, on en parle, on s'en gargarise un peu depuis quelques années, mais c'est dans ces moments-là que concrètement, il montre qu'il existe. Ça veut dire des gens qui travaillent entre eux, qui parlent, qui ont des convictions et qui arrivent à trouver des solutions dans des moments difficiles. Et je crois que l'écosystème français, au moment de cette crise, a démontré qu'il était vraiment devenu un écosystème, c'est-à-dire des gens qui partagent une ambition collective, qui ont leurs propres intérêts, mais qui, à un moment ou à un moment de leur histoire, sont convaincus que la croissance et la dynamique de cet écosystème, elle est importante pour eux et pour le collectif. Il y avait aussi beaucoup d'argent injecté dans les fonds. Il y a aussi donc des réserves de cash que les fonds doivent investir. Est-ce que ça a joué aussi dans la résilience? Bien sûr, bien sûr. Et c'est important. Là aussi, l'écosystème français était préparé. Je vous rappelle que la taille moyenne des fonds français, elle a triplé presque en 5 ans, justement pour se préparer à la croissance de l'écosystème. Hein. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 5 ou 6 ans, la moyenne des fonds dans lesquels BPI France investissait, c'était 80 millions d'euros. Là, on est proche de 300 millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est massif. Il y a de l'argent dans les fonds. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle dry powder. Mais là aussi, c'est de la puissance engagée. Et je voudrais saluer là encore nos amis investisseurs qui ont fait montre de responsabilité au moment de cette crise. Et ce n'était pas facile, hein. Il faut bien le reconnaître que le mois d'avril, on pouvait douter. Il y a eu beaucoup de tours qui se sont bouclés. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont fait le job. Et derrière tout ça, c'est encore une fois une formidable opportunité aussi dans le futur. Parce que les crises passées démontrent que c'est dans ces moments-là aussi que pour les fonds, on fait son meilleur TRI. C'est dans les mois qui viennent, dans les 18 mois, 2 ans qui viennent, que les fonds vont pouvoir, utiliser cet argent pour continuer d'investir. C'est pour ça, pour revenir à votre première question, qu'on est extrêmement optimiste. C'est-à-dire que la compréhension de cet écosystème des opportunités, c'est aussi un moyen de continuer à grandir.
Vous avez parlé justement des mécanismes de soutien de l'État qui ont permis aux startups françaises de lever des fonds sans lever des fonds auprès des investisseurs traditionnels. Clotilde de Kilikini, vous êtes donc directrice d'entreprise en Ile-de-France pour BNP Paribas. DPGE, vous en avez vu passer beaucoup, j'imagine. À quel point les banques françaises ont été des refuges pour les startups pendant la crise ? Alors les banques françaises ont été des refuges pour toutes les entreprises. Je crois que ce qui a été fait avec BPI, avec la Direction générale du Trésor, en grande agilité, de manière extrêmement rapide, c'est un effort sans précédent. Aujourd'hui, on est à 120 milliards d'euros de PGE injectés donc dans les entreprises. Dans l'ensemble des entreprises. Dans l'ensemble des entreprises. Vous avez un chiffre sur les startups ? Alors déjà pour BNP Paribas, nous avons réalisé 66 000 PGE. Pour 18 milliards d'euros, c'est un petit peu plus que notre part naturelle. Les start-up là-dedans, écoutez, c'est à peu près, c'est très compliqué de délimiter les start-up de l'ensemble des entreprises, mais sachez qu'un tiers ont demandé, pour celles qui sont clientes chez nous, nous en avons plus de 3000, et sur les un tiers qui ont demandé, pratiquement toutes à 2% près ont obtenu leur prêt garanti par l'État. C'est une grande proportion de start-up qui ont eu recours au PGE. Toutes celles qui l'ont demandé, à 2% près, ont obtenu leur prêt garanti par l'État, oui. Et sans vous, sans le rôle des banques, vous estimez que beaucoup auraient pu mourir pendant la crise ? Parce que peut-être que les fonds n'étaient pas forcément prêts, ou peut-être qu'ils n'avaient pas envie de se diluer pour se financer pendant cette période délicate où on n'a pas de vision de l'avenir clair ? Alors je crois que dans cette période, la confiance était très importante. Je voudrais saluer moi aussi la réaction de nos clients entrepreneurs. On a été assez bluffés par la qualité du tissu entrepreneurial français qui est resté malgré tout très, très serein. Donc bravo à tous ceux qui dirigent des entreprises. Et je crois que sans cela, c'est la notion de confiance qui aura été trahie et que là peut-être la crise aurait pu s'aggraver. Le fait de cette capacité de mobilisation de ces fonds qui sont arrivés, pas toujours encore nécessaire, mais la nécessité va venir très très vite maintenant. Ça a permis de rassurer tout le monde et de rassurer l'écosystème. Et ça, je pense que c'était essentiel. Est-ce le rôle des banques de jouer les relais des fonds d'investissement quand les startups ont besoin d'argent dans une crise ? Ce qui est certain, c'est que c'est le rôle des banques de soutenir l'économie. Et là, c'est ce que nous avons fait collectivement. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il fallait être là, nous avons été là. Ça a permis de rassurer les marchés, de rassurer nos clients, de rassurer les consommateurs. Et je crois qu'il n'y a que ça qui était important. Vous continuez à faire des PGE aujourd'hui ? Oui, on continue, c'est jusqu'au 31 décembre. D'accord. Donc on a des premiers PGE qui arrivent. Nous avons également des secondes vagues, comme le virus, quand les clients n'ont pas forcément utilisé tout ce qu'ils peuvent utiliser. Donc oui, effectivement, on en a quelques-uns. C'est quoi la motivation des entrepreneurs qui viennent vous voir pour des PGE, justement ? Parce qu'ils ne veulent pas se faire diluer, c'est ça le... Alors vous avez tous les cas de figure. Vous avez ce cas de figure-là, vous avez aussi concrètement payé les salaires à la fin du mois, payer les fournisseurs, ça je crois que c'était la préoccupation majeure, avant la dilution ou les problèmes capitalistiques. Je crois que les entrepreneurs que nous avons eus, qu'ils soient start-upers ou dirigeants de PME et de TI, ont eu à cœur de préserver la pérennité de leur entreprise. D'accord. Et des emplois. Ils vont, j'imagine, devoir lever des fonds ensuite pour rembourser le PGE qu'ils ont souscrit auprès de leur banque. Oui. Je me tourne vers nos investisseuses, donc Marie Breyer de Serena et Stéphanie Hospital de Bonne Ragtime. Alors Marie Breyer, Serena est spécialisée, fait surtout des séries A et des séries B. Bonne Ragtime est spécialisée dans l'amorçage, vous travaillez beaucoup avec les business angels. Donc deux typologies d'investisseurs différents. Comment avez-vous vécu cette crise ? Quelle a été votre réaction ? Alors Marie, on va commencer peut-être par vous. J'imagine que comme vous avez des startups en portefeuille, votre réflexe naturel a été de les refinancer elles d'abord avant de regarder le deal flow en général. Alors, je pense qu'il y a eu vraiment deux catégories de cas dans notre portefeuille. D'autant qu'on fait énormément plutôt de B2B, ce qui a préservé en grande partie, dans notre cas, notre portefeuille. Il y a le cas des sociétés qui avaient des business models très solides, typiquement les sociétés qui font du logiciel sur un modèle récurrent, qui, elles, finalement, avaient surtout été dans une logique de maintenir leur revenu récurrent et avaient une capacité de voir venir qui était assez importante. Et de l'autre côté, tous les modèles qui étaient sur des modèles non récurrents, donc les marketplaces, les sociétés qui s'adressent plus aux consommateurs finaux, qui, elles, se sont retrouvées venant parfois de faire des dizaines ou des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à zéro, avec les mêmes charges fixes à soutenir derrière. Et c'est vrai que ces sociétés-là, notre priorité immédiate, ça a été de les sauver, parce qu'effectivement, on avait une partie du portefeuille qui... s'est retrouvé d'une croissance très forte et de très forts revenus à rien du tout en quelques mois du fait du confinement, puis
du fait de cette crise particulière. Donc il y a eu chez Cerna et d'autres fonds des levées de fonds vraiment de sauvetage, quoi, pour permettre de voir venir pendant des mois qu'on ne s'est pas anticipé. Complètement, complètement. Et je pense que là-dedans, il y a une partie complètement rationnelle, effectivement, parce qu'en investisseur, notre enjeu, c'est aussi de faire de la performance financière pour nos investisseurs à nous. Mais il y a une partie aussi où, effectivement, et d'ailleurs avec France Digital, dont on fait partie toutes les deux, il y a eu un véritable consensus au sein de l'écosystème que notre mission en tant qu'investisseur allait au-delà de simplement la performance financière et qu'il fallait aussi soutenir les entreprises, tout comme l'État l'a fait, tout comme les banques. D'ailleurs, je remercie aussi BNP parce que vous avez énormément participé au soutien de notre portefeuille. Comme les banques l'ont fait et nous, on avait ce devoir de le faire également. En fait. Alors comment ça se manifeste concrètement, du coup, ce soutien en plus de l'investissement ? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que normalement, nous, quand on investit en augmentation de capital, et donc ça suppose de mettre une valeur sur la société. Mais quand même la bourse ne sait plus combien valent les sociétés, c'est un acte qui est un peu compliqué pour nous à faire. Donc l'outil qu'on utilise généralement dans ces cas-là, ça s'appelle le bridge, ou les obligations convertibles, et ça permet de fixer la valeur de la société plus tard. Et donc il y a beaucoup de sociétés, c'est un outil également qui a été... il y a eu un fonds spécial de BPI France qui a été créé avec ce type d'outil pour soutenir temporairement une société en investissement en capital, mais sans fixer une valorisation. Voilà. D'accord. Parce que dans ces cas-là, souvent, quand une société passe de plusieurs millions d'euros de revenus à zéro, c'est difficile de dire qu'elle a la même valeur, donc il vaut mieux reporter à plus tard cette question. Beaucoup de startups que vous avez dans votre portefeuille ont eu recours à un refinancement ou sont en train de le faire ? Alors, comme je vous disais, nous, on a de la chance parce qu'on est très... Finalement, on avait beaucoup de sociétés de logiciels qui ont un modèle récurrent et beaucoup de B2B auprès des grandes entreprises. Donc on a eu une très très petite partie de notre portefeuille qui a été touchée, mais ce n'est pas du tout le cas de l'ensemble de l'écosystème. Est-ce que vous avez quand même regardé le deal flow, les nouvelles startups qui demandaient des fonds ? On sait que beaucoup de fonds sont vraiment coupés du deal flow pour se concentrer sur leur portefeuille. Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que vous avez fait quand même quelques investissements nouveaux pendant cette période ? Alors, je dirais qu'il y a vraiment eu la période mars-avril où clairement, même on n'a pas reçu de dossier parce que tout le monde était dans l'opérationnel de effectivement comprendre comment allait marcher le chômage partiel, comment... Nous, de notre côté, avec notre équipe de support operating, de rédiger des tas de contenus qui ont été énormément repris par l'ensemble de l'écosystème et qui, j'espère, ont aidé beaucoup d'entrepreneurs à comment on allait justement pouvoir utiliser ces dispositifs, comprendre comment ça allait toucher nos clients, essayer de sécuriser les renouvellements des contrats, etc. Donc ça, c'était un peu une période très dense. Et nous, de les supporter là-dedans, les supporter dans, effectivement, faire un business plan de crise, savoir combien de temps on a en cash. Et donc ça, c'est un énorme boulot qu'ils ont fait j'espère on les a aidés à gagner du temps. Et suite à ça, finalement, comme toute crise, c'est des changements d'usage, c'est un nouveau monde, même si c'est pas un monde complètement différent, c'est quand même un nouveau monde. C'est la prise de conscience des entrepreneurs et des dirigeants des économies traditionnelles que la digitalisation, finalement, c'est pas nice to have, c'est hyper clé dans leur futur. Et du coup, on a vu plein de projets émerger, pivoter, devenir hyper sexy de par ce nouveau paradigme. Et on a fait, nous, en fait, avant l'été, on a fait deux investissements dans de nouvelles sociétés. D'accord. Dans quel domaine, du coup ? Alors, un, dans le domaine de l'insurtech des grands risques, donc effectivement, qui n'est pas annoncé. Très d'actualité. Voilà. Donc, et un, dans le domaine de la digitalisation de l'industrie. Donc, également, tout à fait... Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont devenus un peu persona non grata chez les investisseurs ? Je pense notamment au tourisme... Alors c'est forcément tout ce qui est lié au travel événementiel. Nous, on a effectivement des sociétés dans ce secteur-là. Il va falloir se réinventer, en fait. Il faut trouver de nouveaux modèles où il faut réfléchir parce que malheureusement, cette tendance qu'on pensait durer 3 mois, 6 mois, il s'avère que c'est plus compliqué que ça et les relations internationales font que on n'a aucune certitude sur la fin de cette crise-là et quand est-ce qu'elle va se produire. Donc je pense que ces entrepreneurs, en plus de ce secteur, ils ont une grande créativité et ils vont nous trouver des solutions pour changer un petit peu leur business. Voilà. Merci. Alors Stéphanie Hospital, vous êtes, comme j'ai dit, dans le segment de l'amorçage. C'est un segment qui a été assez touché par la crise. Forcément, c'est très difficile de nouer une relation avec un entrepreneur quand on est confiné. Forcément, et dans une période où on ne peut pas forcément se projeter à 6 mois ou 1 an ou 2 ans, encore moins à 5 ou 10 ans. Vous avez lancé sur la tribune en juin un appel au Business Angel en disant de ne plus avoir peur d'investir dans les startups. Alors comment vous avez vécu cette crise de votre côté ? Quel est l'impact vraiment sur l'amorçage ?
Alors, nous, on est un fonds qui innove, puisqu'on investit et on permet à nos investisseurs soit de choisir les projets sur lesquels ils investissent en deal by deal, donc en rentrant sur les projets qui sont en cours sur la plateforme, ou à travers le fonds qui investit sur les 15 projets qui vont venir, qui sont en cours. Donc, on investit en amorçage pour suivre en série A, série B. Il se trouve que dans notre portefeuille, on a eu une très forte hétéroclité entre des projets qui étaient en amorçage au démarrage et des projets qui avaient été déjà très fortement financés ou qui ont fait l'objet d'un refinancement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement un petit peu moins de projets en amorçage, en tout cas on en reçoit un petit peu moins, et une certaine frilosité des investisseurs. Alors les investisseurs qui sont des investisseurs récurrents, avertis, ils savent que c'est le moment parfait pour investir puisque toutes les crises, que ce soit la crise de 2000 ou la crise de 2008, ont donné lieu à des super vagues de start-up, hein, des super performances de fonds. Donc aujourd'hui, moi, c'est un peu le message que je dis aux investisseurs. Allez-y, soutenez l'économie réelle. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le plan de relance de l'économie en France, le numérique, les start-up, c'est de la création d'emplois. Nous, un des chiffres dont on est le plus fier chez One Rack Time, c'est d'avoir contribué à la création de plus de 500 emplois depuis qu'on a commencé à investir il y a 3 ans. Et ça, aujourd'hui, c'est durable, ça permet la compétitivité. Donc pour les investisseurs, non seulement on peut avoir une belle performance, mais en plus, on accompagne des projets. Alors, on a été très présents auprès de nos entrepreneurs au moment de cette crise, à la fois à travers tout le dispositif mis en avant par la BPI, relayée aussi par la French Tech et par France Digital. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vu la valeur d'avoir un écosystème fédéré qui se parle, qui les soutient, la valeur d'avoir des investisseurs qui peuvent être là aussi pour les aider dans les demandes de prêts, pour les aider dans la replanification de leur activité, leur pivot. Donc ça, c'était, je crois, aussi une des forces de l'accompagnement. Aujourd'hui, investir, c'est mettre de l'argent, mais c'est aussi faire en sorte que l'on guide les entrepreneurs. Et nous, en amorçage, c'est d'autant plus critique que les entrepreneurs, souvent, ils démarrent. Alors, les 18 premiers mois, on a parfois un peu peur. C'est le moment où c'est le plus compliqué, mais c'est aussi le moment où on voit s'écrire les belles histoires. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu un meilleur moment pour investir. Alors, ça va encore être complexe. J'ai aussi un appel pour les grands groupes, un appel pour l'État, c'est faites jouer la commande publique. Les grandes entreprises, allez-y, jouez, continuez à travailler avec des start-up, continuez à pouvoir faire des nouveaux projets avec elles. Parce que c'est vrai que là, on a passé la première vague. Là, on a une deuxième vague qui arrive. On sait que certaines entreprises ont une visibilité à 6 mois, 1 an. Mais les 6 prochains mois vont être critiques. Et là, on a besoin d'avoir un accompagnement massif de l'ensemble des grandes entreprises. De l'État, certes, mais aussi des grandes entreprises. Et ça, dans notre secteur, c'est critique. Et c'est là où, pour ma part, je pense qu'il y a le plus encore de mobilisation à faire. Certaines grandes entreprises, comme la BNP, ont particulièrement joué le jeu, notamment en anticipant des paiements de factures. Donc ça, c'est super. Et je crois que les grandes entreprises, elles ont un impact très fort sur le cash des start-up en payant vite et bien et en les faisant travailler, En faisant ça, ça participe aussi à leur digitalisation et donc à leur compétitivité sur le futur. Alors, j'ai une question pour tous les quatre, répond qui veut. En tant qu'investisseur, qu'a changé la crise du Covid dans votre état d'esprit? Comment est-ce qu'on peut... est-ce que vos réflexes ont changé? Votre métier, c'est de vous projeter. Là, c'est très difficile. Comment est-ce que... qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qui veut répondre? Je vais y aller, si vous voulez. Je crois que notre métier, il est sur le temps long, en fait, de toute façon. Quand on lève un fonds, on va l'investir sur 5 ans, on va en savoir le résultat, alors ce qui professionnellement est d'ailleurs assez particulier, mais que 10 ans après de savoir ce qu'il en est. Et donc, c'est important aussi, même dans les moments qui sont émotionnels, mouvementés, durs, parce que c'est dur, les crises, de se rappeler, nous, en tout cas dans notre métier, que le fondamental, c'est un entrepreneur ou une entrepreneur extrêmement solide, un marché qui a un fondamental très fort. Et ça, en fait, ça ne change pas. Simplement, il y a des momentum qui font que les gens sont prêts à adopter des nouvelles solutions plus vite ou moins vite. C'est souvent le cas après une crise, ils sont plus à même d'adopter des nouvelles solutions. Et finalement, quand on regarde des nouveaux dossiers aujourd'hui, on les regarde avec la même logique fondamentale qu'avant. Alors après, avec des sujets qui, on se dit, est-ce que ça va s'intégrer mieux à la société de demain? Parce que c'est notre métier de sentir les tendances profondes de marché, et ça y participe. Mais sans finalement être
être trop dans l'émotionnel du fait que c'est une crise, parce que souvent, une crise, ça dure 1, 2, 3 ans. Et nous, on doit s'inscrire dans un temps long. Et c'est ça qu'on doit essayer de ressentir, et pas des événements qui seraient tactiques par rapport à finalement cette crise. Enfin, Beaucoup de startups ont un peu peur aussi de lever des fonds dans cette période. Certaines ont entrepris des démarches au début de la crise parce qu'elles se sont dit ça va durer, donc autant y aller maintenant tant qu'on ne va pas trop perdre dans le mix. Beaucoup ont peur de se faire trop diluer, d'être moins valorisé. Qu'est-ce que vous répondez à ces peurs-là? Je crois qu'il n'y a jamais eu aussi meilleur moment pour se faire financer. Il faut y aller maintenant, il faut pouvoir tenir 18 mois, 2 ans pour justement profiter de ce moment où ça va vraiment rebondir. On n'a pas changé nos règles d'évaluation des startups. On n'a pas changé la façon dont on va négocier avec les entrepreneurs. Ça a toujours été un savant équilibre entre la valeur perçue par l'investisseur et la valeur attendue par l'entrepreneur. Je crois que plus que jamais, c'est quand on investit dans une société, on est là pour du long terme. C'est un mariage long terme sur lequel on doit dès le départ être en phase avec les termes. Donc les entrepreneurs, d'ailleurs la valorisation, c'est un des critères, un des paramètres. Ce qu'on doit rechercher quand on cherche un investisseur, c'est l'accompagnement, le temps long, la capacité à refinancer derrière. Donc il faut investir juste, mais il faut aussi lever des fonds de la manière la plus adaptée possible et pouvoir s'entourer. Ça, c'est aussi l'avantage que nous avons eu dans la crise en France, et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Hein. J'insiste bien, on a beaucoup de chance aujourd'hui d'être entrepreneur en France. On a eu une superbe réaction des banques, on a eu une superbe réaction de la BPI, on a eu le chômage technique qui n'a pas été le cas dans plein de pays en Europe. Donc ça n'a jamais été aussi le meilleur moment pour créer son entreprise en France. Et je suis sûre que dans les mois qui viennent, on va voir plein d'entrepreneurs internationaux qui vont se dire « bah en fait, le pays où il faut localiser son entreprise, c'est la France. » Parce qu'on bénéficie d'un écosystème qui est très bon dans ces périodes et qui va nous permettre d'aller plus loin. Donc c'est un peu l'état-providence français qui sauve le secteur de la tech comparé à d'autres pays, par exemple, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui ont beaucoup plus pâti, disons, de la crise. Je ne dirais pas que c'est l'état-providence. C'est la vision de l'État de se dire que si on veut créer durablement de l'emploi en France, de la compétitivité, il faut qu'on soit bon sur la tech, il faut qu'on soit bon sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur tout un tas de technologies qui sont critiques pour la suite. Mmh. Donc je dirais qu'on investit pour le futur, et c'est ça qui est super. Donc pour les entrepreneurs, c'est un endroit rêvé pour pouvoir créer son entreprise aujourd'hui. Donc entrepreneurs français, entrepreneurs internationaux, n'hésitez pas, venez. Et puis il y aura tout un tas de fonds, de gens comme nous, de banques, la BPI, qui seront là pour vous accompagner pour faire des très grandes entreprises. Une réaction peut-être pour François? Oui, non, mais pour revenir sur votre question, moi je partage évidemment les différents points qui ont été cités. La réalité, c'est que je pense qu'on a pris conscience dans cette crise que l'innovation, c'était majeur sur le digital, sur la santé et au fond aussi sur le green, puisque au fond, cette crise systémique, elle montre ce que c'est qu'une crise systémique. Alors certes, un peu rassemblée pendant un temps, mais enfin, on voit bien que le climat, c'est une crise systémique qui est bien plus de grande ampleur. Donc je pense que tout ça nous a fait prendre conscience encore plus que, au fond, l'innovation a été une clé du futur pour répondre à tous ces enjeux qui arrivent. Une fois qu'on a dit ça, je trouve que ce qui a été dit est très juste, c'est-à-dire qu'il faut assumer que tout ça se fait sur des temps de cycle relativement longs. Et c'est, je crois, ce qu'on a fait depuis presque un peu moins d'une dizaine d'années dans l'écosystème français. C'est une grande continuité avec des étapes successives qui ont permis justement de faire cette réaction, je crois, extrêmement plurielle et extrêmement forte. Moi, je connais cet écosystème depuis maintenant quelques années, pas très longtemps, et j'ai fait un peu d'histoire de l'écosystème du Venture. C'est né dans les années 50, dans la Silicon Valley, par un général d'ailleurs qui était franco-américain, qui a créé ce métier, hein, donc il y a 70 ans dans la Silicon Valley. Alors ça ne veut pas dire qu'on va prendre 70 ans, mais il faut bien se rendre compte que c'est des temps de cycle qui sont longs, d'abord parce que c'est très juste des fonds, c'est 10 ans avant de vraiment comprendre si la valeur est créée, et donc ça traverse les crises. Donc voilà, je crois que fort de cette conviction encore plus ancrée, avec des chiffres qui sont positifs, vous avez vu que la France est en train de remonter dans les classements petit à petit, il faut qu'on continue, il faut qu'on assume que c'est plutôt des temps de cycle de 10 ans, mais que c'est la continuité du quotidien, les actions concertées du quotidien, qui font toutes ces petites micro-décisions qu'on prend collectivement, qui petit à petit vont nous permettre de créer un écosystème avec une ambition qui est très claire, hein, qui a fixé le président de la République. On veut être le premier écosystème européen dans les 5 ans qui viennent. Et derrière ça, en étant le premier, vous inquiétez pas les Allemands, ça ne va pas leur plaire, ou ça ne leur plaît pas, puisqu'on leur est passé devant.
les Anglais, on va leur passer devant, ça ne va pas leur plaire, ça va créer une compétition européenne, les fonds sont de plus en plus européens, et on va créer sur 10, 15, 20 ans un véritable écosystème européen. J'en suis convaincu. Il faut avoir de la force, de la conviction, et encore une fois, des temps de cycle qui sont suffisamment longs pour que ça apparaisse. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les premiers signaux que le travail qu'on a engrangé fonctionne. Donc il faut surtout pas arrêter, il faut au contraire aller encore plus loin et encore plus fort. Alors avant de se projeter à 10 ans, 15 ans, quand on aura doublé le Royaume-Uni, Stephen Hospital mentionnait les 6 prochains mois qui seront critiques. Comment vous abordez ces 6 prochains mois ? Je voulais juste vous rappeler que nous aussi, finalement, nous sommes investisseurs. Donc on sait que l'injection, le financement va être très important pour le plan de relance. Et là, ça va être très important qu'on continue tous d'être extrêmement mobilisés. Donc nous, on a investi 110 millions dans des fonds d'amorçage depuis 2012 et on a réalisé 3 investissements là, pendant la période de Covid. Notre filiale de capital développement va doubler ses investissements. Elle va passer de 2 milliards à 4 milliards. Donc déjà, j'invite tous les entrepreneurs à contacter nos chargés d'affaires dans nos Why We Are Innovation. On en a 65, hein, 100 banquiers dans 65 Why en France. Mais effectivement, je crois que l'écosystème très cohérent pour financer le BFR, Stéphanie parlait de ce que vont faire les affactureurs en pouvant financer les commandes et non pas les factures. Ça va être très important, c'est pour ça que je passe le message. Mais l'ensemble de cet écosystème, des fonds propres évidemment, au financement des besoins en fonds de roulement, ça va être clé pour la reprise et nous serons très très... nos équipes sont déjà très mobilisées sur ce sujet-là. Alors en parlant de reprise, le plan de relance a été présenté la semaine dernière. Il y a un volet start-up assez important, donc il y a 2,5 milliards sur 5 ans, dont 500 millions sur 2 ans pour le soutien aux start-up françaises. Donc comment ça va se passer? J'imagine que BPI France va être le vaisseau amiral de cette stratégie. Ces 500 millions, ils viennent d'où? Ils seront investis comment? Quelle est la stratégie? En fait, ce plan de relance qui a été annoncé, il vient conforter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une conviction partagée avec l'État qu'on est dans la bonne direction et qu'il faut accélérer. Donc ces moyens, ils vont venir renforcer les moyens déjà existants sur les 2 ou 3 prochaines années, hein, grâce à ce plan de relance, abondé d'ailleurs par l'Europe, je crois qu'il faut quand même le signaler. C'est la première fois que l'Europe met des moyens sur un plan de relance qui est un plan français géré dans le cadre des dispositifs français. Et puis, c'est un plan aussi qui va venir renforcer un dispositif important. C'est le deuxième moteur de la fusée. Je disais tout à l'heure qu'on est sur le temps long, mais il faut quand même continuer à allumer des moteurs pour que la fusée continue de croître. C'est notre plan Deep Tech qui consiste à considérer... C'est 2,4 milliards d'euros sur les technologies de recherche. Voilà, exactement. Et qui est le travail qu'on a engagé déjà depuis à peu près 18 mois, qui consiste participer au changement culturel qui est déjà très bien engagé dans les laboratoires de recherche, dire aux PhD qui sont nombreux, formidable, vous pouvez continuer d'ailleurs dans votre labo à faire de la recherche, mais vous pouvez passer 50% à créer une entreprise, trouver un entrepreneur, discuter avec les VC pour comprendre leur écosystème et qu'est-ce qu'ils attendent, et multiplier les startups qui viennent de ces centres de recherche pour répondre à ces enjeux dont on parlait tout à l'heure, hein, médicaux, l'intelligence artificielle, le green tech, tout ça, c'est des nouvelles technologies qu'il va nous falloir et qui sont aujourd'hui dans ces labos de recherche. Donc ce plan, il va nous permettre de passer la démultiplier sur ce sujet de la deep tech, de faire en sorte qu'on ait un nouveau flot de startups avec ces technologies qui répondent aux enjeux de demain. Alors, c'est 500 millions que la France va investir dans les startups. Donc, c'est BPI qui va les investir en fonds de fonds, j'imagine. Massivement en fonds de fonds, absolument. Donc, vous allez abonder les fonds de la place en argent. Absolument. Pour qu'ils puissent investir, d'ailleurs, eux, dans les startups. Très clairement. Hein, et d'ailleurs, notre politique est très consistante depuis le début là-dessus. Notre principal levier en fonds propres, c'est le fonds de fonds. C'est de développer et participer, de développer un écosystème de capital risque privé qui grossissent et qui grandissent. Ces 500 millions, d'ailleurs, ils vont être abondés par BPI France, au moins d'un facteur 1 pour 1, avec nos propres fonds propres, hein, puisque au-delà des fonds du programme d'investissement d'avenir ou du fonds de relance, on a nos propres capacités. Parce que d'abord, on pense qu'il faut continuer à faire croître notre écosystème. Hein, on commence à avoir des fonds qui commencent à faire 1 milliard d'euros. Il va falloir qu'ils en fassent 2 ou 3. On a des très beaux fonds qui étaient encore il y a quelques années. Serena est un magnifique exemple. Des fonds, j'allais dire early stage, qui sont en train de devenir des fonds importants à plusieurs centaines de millions.
Donc il faut continuer la croissance pour, j'entendais Cédrico qui disait créer des décacornes, bah, c'est notre nouvelle ambition. Et pour ça, il faut qu'on soit capable d'avoir des fonds qui investissent 400, 500 millions d'euros, donc qui font des tailles démultipliées. Donc là, notre. Concrètement, du coup, la stratégie, c'est d'investir dans le late stage, donc les levées de fonds supérieures à 20 millions d'euros. Oui, mais encore une fois, pas que, mais oui, il y a un gros sujet late stage. Donc ça, on va mettre les moyens et le paquet là-dessus. Ça fait déjà 2-3 ans, il y a le rapport TIBI, tout ça va dans ce sens-là. Il faut d'ailleurs qu'on ait encore plus de moyens. On va faire des annonces dans les semaines encore à venir complémentaires pour aller chercher plus d'argent et privé dans ce domaine-là. Et puis on va. Ce qui est le domaine où on pêche par rapport au remis. Alors oui, on de grandes levées de fonds. Absolument. Vous savez, on pêche toujours et c'est très bien. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, on fait autant de levées de fonds growth que l'Angleterre au premier semestre et qu'on a multiplié à peu près par 10 ou 20 les levées de plus de 30 millions d'euros. Donc j'ai envie de dire, il y a 5 ans, on considérait que les levées de 20 millions d'euros, c'était notre problème qui pêche. Aujourd'hui, on en fait toutes les semaines. Les levées de 100 millions d'euros, on en fait tous les 6 mois, tous les mois. Et donc, notre sujet, c'est 500 millions d'euros. Et ça va continuer comme ça. On va toujours pêcher parce que notre système grandit et on a toujours envie d'avoir plus, ce qui est super. Et donc, Mais je voudrais juste finir en disant, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'amorçage. L'amorçage, c'est le bas de la pyramide. Et donc, on va le faire massivement sur la deep tech. On va continuer avec le Fonds national d'amorçage. Parce que pour que des grandes entreprises croissent, il faut qu'on en ait de plus en plus, qu'ils soient capables de grandir. Et c'est la logique de cet écosystème. Alors, je vais terminer par demander une réaction à Stéphanie Hospital en tant que membre, et d'ailleurs Marie Brière en tant que membre de France Digital. Que pensez-vous du plan de relance et du soutien aux startups? France Digital avait demandé beaucoup de choses au gouvernement avant du coup, la révélation du plan de relance. Vous demandez des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que ce qui est finalement donné à l'écosystème. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est suffisant quand même? Alors, on va vous dire qu'on est toujours impatient et que c'est toujours insuffisant. Donc on aurait voulu avoir 100 milliards des 100 milliards. Aujourd'hui, on a 7 milliards des 100 milliards. Donc on espère qu'il y aura encore plus, qu'il y aura encore plus par des mécanismes de mobilisation des acteurs privés autour de la BPI. Mais c'est clé. Et on a aussi d'autres combats aujourd'hui qui sont fiscaux, notamment. Fiscaux autour de l'IRPME. Hein, je le disais, il faut mobiliser l'épargne autour de l'investissement dans la tech. Et l'IRPME, c'est un formidable dispositif, mais qui est tout petit aujourd'hui, donc il faudrait pouvoir le démultiplier. On a aussi d'autres enjeux sur la création d'emplois. Hein, je le répète, 94% des emplois créés dans la tech sont des emplois en CDI, donc c'est des emplois pérennes. Donc il y a des mesures pour les jeunes, mais je pense qu'il faut continuer encore, parce qu'il faut rendre ça plus flexible. Peut-être aussi prolonger les dispositifs sur le chômage technique pour les industries, alors ça, c'est pas que les startups, hein, qui sont typiquement encore affectées par cette deuxième vague. Donc oui, aujourd'hui, on a envie d'avoir plus. On salue les efforts qui sont faits par le gouvernement et par la BPI et tous les acteurs publics, mais je crois que ce n'est pas encore suffisant. Et puis, il faut aussi inciter, ça c'est un dernier point, c'est les grandes entreprises européennes, il faut qu'elles rachètent nos startups. Ou il faut qu'on fasse des grosses startups, des gros build-up. Et c'est pour ça que ces 500 millions, bah oui, demain, c'est 500 millions pour faire un énorme build-up dans la tech, dans l'IA. Mais il faut aussi mobiliser, parce qu'à un moment, s'il n'y a que le financement, nous, on va attendre des sorties. En tant qu'investisseur, il faut qu'on attende des sorties, il faut que ces sorties soient autorisées. Hein, donc c'est ça aussi toute la problématique. Et s'il n'y a que des acteurs chinois ou américains qui peuvent racheter au prix nos entreprises tech, on a un sujet, surtout si c'est contrôlé. Donc là aussi, il faut que le système il soit autoporté, libre, mais en même temps qu'on incite les grands groupes à pouvoir faire des acquisitions au prix, qu'on crée ces filières technologiques, ces build-up dans la tech autour de géants de la cybersécurité ou de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce matin. C'est la fin de notre émission, mais merci à tous et donc aux spectateurs qui nous suivent sur latribune.fr. La rentrée de la tech continue dans quelques minutes avec une nouvelle émission sur la transformation numérique des entreprises. Restez avec nous.